Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour un mini retour de course que j'ai effectué donc chez Carrefour City. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai pu trouver et en même temps ce que j'ai pu racheter aussi dont j'avais besoin. Alors je vais commencer par le frais comme d'habitude. J'ai pris donc ces barquettes de blanc poulet. J'en ai pris 3 il me semble. Voilà, 1, 2 et 3. Bon, en fait c'est pour préparer donc tous mes plats et puis en même temps les dates sont assez longue, enfin jusqu'à la semaine prochaine, mais bon, ça va être terminé bien avant. J'ai pris ici des escalopes de dinde. Donc comme vous pourrez retrouver aussi mes vidéos directement de repas légers, repas sains, c'est à base donc d'escalopes de dinde que je l'ai fait. J'ai pris là des tranches de jambon de dinde, donc c'est toujours halal. Ensuite, j'ai pris donc des knackis donc orientales, sont épicées celles-ci, donc saucisses épicées, 100% volaille, donc je les ai prises en plus. Là ici, j'ai pris du poisson pané, donc avec du fromage intégré dedans, donc ils sont bons, la dernière fois j'en avais pris, donc j'ai trouvé pas mal. Ensuite, j'ai pris là du fromage râpé, j'en ai toujours besoin et comme ça au moins... J'ai pris un grand sachet, je pourrais toujours en avoir sous la main. J'ai pris ici, mais voilà, vous voyez bien qu'il en manque deux. Un paquet donc de Kinder Pingui pour les enfants, pour leur goûter. J'ai pris ici des tortillas. Pareil, si prochainement je peux vous faire une vidéo avec donc tortillas fait maison, wrap fait maison. J'en profiterai pour vous en faire une. J'ai pris donc là des clémentines. Parce qu'elles sont de saison et comme je vous ai déjà dit, en fait, les clémentines avec les feuilles, ce sont les meilleures. Donc j'ai pris cette petite barquette, parce qu'on n'avait pas en vrac, donc j'ai pris en barquette. J'ai pris là deux poivrons, donc rouge et vert. J'ai pris des aubergines, donc un lot de deux, bio. J'ai pris là, en fait, pour mes recettes express, quand vraiment j'ai pas le temps, donc des haricots blancs. Et pois chiches. Ensuite là, j'ai pris du beurre à tartiner, toujours de la marque Président. J'ai pris du jus d'orange, j'ai pris une brique entière, une grosse, format familial je crois, sans pulpe de la marque Carrefour. Et donc pour terminer, j'ai pris là des gobelets en plastique. J'en ai pris, donc voilà, c'était un lot de 25. Tout simplement parce qu'en fait, je présente mes tiramisu dans ce genre de gobelets. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai pas de verrine en verre ou même en plastique, tout simplement. Et puis même là, je trouve qu'au niveau de la quantité, c'est plus présentable en fait. Et puis même, c'est assez gourmand aussi. Voilà, donc j'espère que mon mini retour de course vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. En attendant, je vous remercie. Je vous dis à très bientôt.